Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va remonter le moteur sur la mobylette. Mais avant une chose qu'on va faire avant, vous voyez ceci, ça c'est la plaque de notification du moteur. Donc on va la remonter sur la plaque support qui a été repeinte. Je l'ai repeinte en couleur zinc. Ça c'est fait, alors, passons au moteur. Donc voilà le moteur, donc toutes les surfaces ont été nettoyées et préparées, donc un coup de toile hein, sur les surfaces, enlever les vieux bouts de joints qui peuvent traîner, que ce soit propre. La culasse ici nettoyée, la surface est aussi, donc des joints neufs et un piston tout neuf. À la bonne cote bien sûr, donc avec ses joints d'arrêt, l'axe et les segments. Donc on va monter le joint de carter, on va mettre un tout petit peu de pâte dessus histoire que ce soit bien étanche. Bon, vraiment, je mets une petite larmichette de pâte. Donc on met le joint en place, toujours dans le bon sens bien sûr. Donc voilà, on a bien en place, donc c'était un petit peu juste à passer, mais ça va. Donc, on a la pâte à joindre ce coup-ci sur l'embase du cylindre. Hop, on va mettre le carter de côté. Les segments sont déjà en place. Alors, déjà sur le piston qu'on va faire, on va déjà mettre un clip d'un côté. Hop, avec une pince avec plat. On prend tout au bord. Voilà. Après, on prend l'axe sans s'assurer qu'il est bien en place. Un petit peu. Tac. Et bon, là il est à sa place. Donc, elle va pousser. Voilà. On met l'axe. Voilà, je mets l'axe avec le roulement que j'aiguille avec un petit peu d'huile pour faciliter le montage. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va pas monter un montage, on va faire un montage, mais on va faire un petit peu un montage à l'envers en fait. Normalement, on devra monter en premier le piston sur sa bielle et ensuite l'insérer en cylindre. Mais c'est plus facile d'insérer d'abord le piston dans le cylindre et juste de dépasser, puis enquiller l'axe, on sera moins embêté. Donc, avant de monter, de l'huile toujours, et on va bien graisser tout ça. N'ayez pas peur, de toute façon, l'huile qui est en trop sera brûlée lors des premiers démarrages. Donc ça fumera un peu, c'est sûr. Mais mettre un peu d'huile, ça fait pas mal. Donc ici, pareil, on le badigeonne bien. On n'a pas peur. Sonic de l'huile pour monter le piston. Donc ils ont un sens au montage. Alors celui-ci, il y a une encoche. Donc l'encoche monte côté admission ici. S'il n'y a pas d'encoche, ça peut arriver. Donc vous avez des ergots de centrage sur les segments ici. On voit ici. Se monte toujours côté admission. Donc on va s'en payer. Donc avant de remonter, on met bien les argots à leur place. On prend le cylindre. On vient serrer les segments.
tranquillement. Et on vient juste dedans gentiment. Donc voilà, le piston est mis juste en place, juste au bord ici. Comme ça, ça va pas nous permettre d'enquiller l'axe tranquillement. Donc, on prend le carter. Donc, l'enroulement aiguille, bien huilé bien sûr. C'est un piston, donc dans le bon sens. Hein. On n'avait pas monté l'émission mauvaise. Voilà, l'axe de piston est en place, on n'oublie pas de remettre le second clic d'arrêt parce que sinon il y aura quelques soucis avec le moteur. Donc avec une pince avec ça. Hop, voilà, clac. On place bien sa place. Serrage assuré. Et là, on vérifie que tout tourne. Donc voilà, le sillon est en place, tout tourne librement. Donc on met le joint de culasse, pas de pâte à joint sur le joint de culasse, ça sert à rien. Tac, voilà. Donc, hop, on n'oublie pas de mettre les pattes de fixation moteur. Excusez-moi, c'est mon chat qui arrive parce qu'il veut sortir. Un petit peu lui avec. Ça fait pas de mal. Et voilà, PPR a remonté avec sa plaque de notification. Il y a une autre compression en plus. Ouais. Il comprend bien. Voilà le petit PPR a remonté. Il n'y a plus qu'à le remonter, c'est ça, le voyage, l'image. La mission, l'échappement, tout ce qui va bien quoi. Au revoir les amis.